Dis-moi une chose, est-ce que tu penses aux enfants, à ce qu'ils ont pu devenir? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Et toi? Et maintenant, une histoire extraordinaire qui vient d'être révélée au sujet d'un jeune homme qui est allé il y a bien longtemps visiter Prague. Il a découvert là-bas des milliers de réfugiés abandonnés et à la merci de l'invasion imminente d'Hitler. Il y a des enfants ici qui vivent en plein air dans la boue. Ce que j'ai vu, rien ne saura l'effacer. Un déplacement massif d'enfants qui n'ont ni argent ni visa. Écoutez, nous devons tout faire pour croire que ça peut être possible. Il y a un millier d'enfants sur cette liste. Alors on va activer tout ça. Vas-y, tout de suite! Ce doit être très difficile pour vous, sachant ce qui est arrivé à tous ces enfants. En fait, je ne sais pas ce qui est arrivé. Notre émission est loin d'être terminée. J'ai une question. Y a-t-il quelqu'un ici dans ce studio dont la vie a été sauvée par Nicolas Winton? Tu sais bien qu'on ne peut pas tous les sauver. Il va bien falloir que tu te pardonnes ça. Qui sauve une vie, sauve le monde.